Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une raviole de betterave avec du foie gras. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors ici, du blé. Donc ça, c'est du blé légèrement précuit qui prend 10 minutes de cuisson. De la roquette fine, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Ici, une betterave crue et le foie gras qui est en fait l'alternative végétale au foie gras. Allez, on va éplucher notre betterave. Donc un économe suffit. Et donc on va venir faire des tranches très fines avec la mandoline. Hein. Vous les disposez sur votre assiette. Voilà. On va faire la petite vinaigrette. Alors, 2 cuillères de vinaigre pour 6 cuillères d'huile d'olive. Voilà. Donc, faites attention que ce soit bien mélangé comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, hop, prenez tout de suite et on remélange à chaque fois. Voilà, et on met tout. Hein. Et maintenant, on va s'occuper de la farce. Alors, ce qu'on a fait, c'est que le blé, on l'a cuit ici, bien sûr, à petit frémissement. On va l'égoutter et le refroidir maintenant. Ensuite, on prend un petit récipient, même volume de blé que de foie gras. Alors, on va découper notre foie gras. Ça va permettre de l'écraser plus facilement et on va créer la petite farce. Là, on met dans notre récipient. Et ici, avec le dos de la cuillère, d'abord, on va venir mélanger ensemble de façon à créer quelque chose d'homogène. Voilà, on voit, ça se mélange bien. Là, on a quelque chose qui est bien lié. Donc ça, c'est le résultat que vous obtenez. Hein, quelque chose d'homogène. Et maintenant, on va pouvoir former nos petites ravioles. Alors, regardez un petit peu la texture. Vous avez vu, tout à l'heure, on était sur quelque chose d'assez fait. Mais regardez ce qu'on arrive à faire maintenant. On arrive vraiment à la plier. Hein. Voilà, maintenant, on va prendre notre petite farce blé et foie gras. Regardez ce qu'on va faire. On va former des sortes de petites quenelles comme ça, qu'on va venir disposer sur chaque tranche. Voilà, et maintenant on vient recouvrir chaque petite betterave par une autre. N'oubliez pas qu'on a nos petites amandes et nos petites noisettes. Alors c'est important parce que ça va donner un petit croquant qui est sympa toujours. Hein. Les plus petites feuilles de roquette et bien assaisonner dessus. Hein. Donc, il suffit de prendre toujours une technique et de modifier ses composants, remplacer la pâte par des légumes. On peut le faire avec des chicons si on les fait mariner, ça marche aussi. On pourrait le faire avec du céleri rave. On pourrait le faire avec des belles feuilles d'épinards aussi, par exemple, en saison plutôt printemps. Donc, les possibilités sont illimitées. Créez vos recettes de ravioles végétales. Vous les prenez en photo, vous écrivez les textes, vous nous les envoyez et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit!